Bienvenue au Plasticarium. Qu'est-ce que c'est le Plasticarium? C'est une collection de plastique de la période pop. Ça a commencé en 1960 et comme toutes les modes, ça dure une demi-génération jusqu'au 1973. Depuis 1987, quand j'ai trouvé le premier mobilier sur les grandes poubelles au sud de Bruxelles, je me suis dit, si les gens commencent à jeter cette production, il faut que quelqu'un se charge d'en garder la mémoire. Et ici, on a la chance d'avoir la première collection historique, la première maturité du design qui peut être présentée au public. Ce qui est important, c'est l'ambiance, une maison utopique où tout est en plastique, le lit, la table de chevet, le plateau à petit déjeuner sur le lit, les armoires, la lampe et l'œuvre d'art au mur, c'est la totale. De temps en temps, on me propose des pièces comme celle-ci qui est exceptionnelle, qui s'appelle une sphère d'isolement, dans laquelle on pouvait à la période hippie rentrer à quatre pour regarder la télévision ou carrément se défoncer en fumant gentiment.